3,960 milliards de dollars, soit plus de 3 milliards d'euros. C'est l'amende dont pourrait bien écoper Shell au Nigeria pour la marée noire provoquée par une fuite sur le gisement offshore de Bonga en décembre 2011. Ce montant a en tout cas été validé hier par le Parlement. Un vote non contraignant, cependant, le dernier mot reviendra au gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons écrit une page d'histoire parce que, après 3 ans à attendre une solution, après d'innombrables réunions à l'Assemblée nationale avec les 8 agences publiques impliquées, après nous être rendus dans les zones affectées et avoir constaté les dégâts, les avoir filmés et avoir vu la souffrance, aujourd'hui, un jugement a été rendu. Lors du transfert de pétrole vers un tanker, 40 000 barils de brut s'étaient répandus sur 900 km². Le pétrolier anglo-néerlandais avait nettoyé la zone à coups de dispersants chimiques, compromettant la pêche, moyen de subsistance des populations locales.